Salut à toutes et à tous, je suis Amendaté et aujourd'hui nous allons parler d'astuces. Comme le dit l'intitulé de mon compte, Graphisme et astuces, je vais m'excuser auprès de mes abonnés qui ont l'habitude de me suivre par rapport à la création de logos et affiches et tout. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui préoccupe la plupart des TikTokers en Afrique, la monétisation. Comment monétiser un compte en étant en Afrique? Aujourd'hui je vais vous présenter trois astuces très simples à réaliser et qui vont vous permettre de monétiser votre compte. Et d'accord, pour aujourd'hui, nous allons y aller pour la monétisation d'un nouveau compte. Et prochainement, je vais vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment monétiser un compte qui a déjà les conditions réunies, mais qui a été créé sans la monétisation. D'accord? Parce que moi, par exemple, j'ai deux comptes. Ce compte sur lequel nous sommes est monétisable. Je n'ai pas encore réuni les conditions. Je vais vous montrer en appuyant sur le profil, ensuite sur les trois traits en haut et puis sur outils pour les créateurs. Alors ici, quand vous observez, si vous suivez le processus et que vous arrivez sur cette page, regardez dans la section Creator Nest ici. Si vous n'avez pas cette option-là, version bêta du programme pour la création, alors votre compte n'est pas monétisable. D'accord? Et dans ce cas, je vais vous conseiller de ne pas supprimer votre compte. De ne pas désactiver votre compte. Gardez ce compte-là. Parce que qu'on le veuille ou non, l'Afrique sera inclue un jour dans la monétisation. Mais prochainement, je vais encore faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment monétiser un compte déjà existant sans la monétisation, mais qui a réuni les conditions de monétisation. Comment monétiser ce compte-là? Aujourd'hui, nous allons y aller pour un nouveau compte. Alors, je vais vous présenter trois astuces. D'accord? Astuce numéro 1. Vous allez aller sur Play Store et télécharger un VPN. Ça ne marche qu'avec des VPN payants. Ok, ça marche avec des VPN payants, mais il y a un VPN qui peut vous aider très facilement. C'est VPN in Russia. Voilà, VPN in Russia. Qui est ici, voilà VPN in Russia. Moi je l'ai déjà, donc vous installez ce VPN. D'accord, alors après avoir installé votre VPN in Russia, vous ouvrez l'application. D'accord, vous êtes sur l'interface comme ça, vous cliquez sur la croix en haut à gauche, ensuite ici en haut, vous cliquez sur la petite flèche pour choisir un VPN. Tout ce qui est en haut, ce sont des VPN payants. Nous allons entrer au niveau des VPN pour lesquels on a mis free. Et nous choisissons un VPN français, France Roubaix 1. Nous allons attendre la publicité puisque nous sommes en mode gratuit. Donc, nous ne pouvons pas nous en passer. Après la publicité, nous allons quitter. Ensuite, ici, vous allez appuyer sur se connecter au VPN sélectionné qui est en bleu ici. Voilà. D'accord? Et vous allez attendre un peu. Quand vous voyez ceci, ça veut dire que votre VPN est connecté. Vous allez voir une clé apparaître en haut dans la barre d'outils de votre téléphone. Alors c'est la garantie que votre VPN est installé, que vous êtes maintenant en train de l'utiliser. Alors ensuite vous allez désinstaller, ok, votre application TikTok et vous allez sur Play Store pour télécharger, ok, un nouveau TikTok.
Lorsque votre nouveau TikTok sera installé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller en haut. OK? Pour mettre votre téléphone en mode avion. Vous mettez votre téléphone en mode avion et vous ouvrez votre TikTok. OK? Vous ouvrez votre TikTok. Comme moi, je l'ai déjà, je ne vais pas reprendre le processus. Et lorsque vous serez sur votre TikTok, vous allez maintenant créer un nouveau compte. OK? Lorsque vous créez ce nouveau compte-là, il faut utiliser votre adresse email. N'utilisez pas votre numéro de téléphone. Le problème avec cette méthode, c'est que vous aurez forcément besoin d'un numéro de téléphone français pour pouvoir finaliser la création de votre compte. Mais vous pouvez commencer par utiliser votre TikTok avec la version bêta en attendant de trouver un numéro de téléphone lorsque vous aurez, par exemple, quelqu'un là-bas qui peut vous aider à acheter un numéro français et à créer, à vous envoyer ça que vous allez associer avec votre compte TikTok. C'est ça l'inconvénient avec cette méthode-là. Mais les deux autres méthodes sont beaucoup plus rassurantes parce que vous n'aurez pas besoin de faire cela. Même avec votre numéro africain, votre compte sera monétisable. Alors, nous allons y aller avec la deuxième méthode. Vous venez sur ma page Telegram et vous tapez dans la barre de recherche Amen Services Corporation. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Donc, vous recopiez le lien. Vous tapez dans la barre de recherche. Vous serez dans ce groupe-là. Lorsque vous serez dans ce groupe, il faut vous abonner. D'accord? Alors, lorsque vous serez sur Telegram et dans mon groupe Telegram, Amen Services Corporation, je vais vous demander de télécharger le dernier dossier que j'ai envoyé. Ce dossier-là. TikTok plus mode plus 29.2.4. D'accord? Vous téléchargez et ensuite vous cliquez dessus pour l'installer. Installer. Et lorsque l'installation sera terminée, nous pourrons ouvrir l'application. Ouvrir l'application. Alors, lorsque vous ouvrez l'application, vous devez d'abord aller dans Settings. Ici en bas, mode setting. Et ensuite sur Change Content Region, ici. Et ça vous permet de choisir un pays qui est dans la monétisation. En l'occurrence, nous allons choisir la France. Vous pouvez choisir aussi les États-Unis ou autre pays qui se trouve dans la monétisation. Ensuite, vous cliquez sur Go Back. Vous allez encore choisir Force Region Mode ici. Force Region Mode. Et vous mettez, vous cochez ça. Et vous appuyez sur OK. Ensuite, vous appuyez aussi sur Go Back. Voilà les deux choses que vous aurez à faire dans les settings. Ensuite, vous appuyez sur Close. Et vous venez ici. Hein, vous choisissez vos centres d'intérêt. Hein, l'art, tout ce que vous voudrez. OK. Vous choisissez vos centres d'intérêt ici. Et vous appuyez sur Next. Et ensuite sur Start Watching. Voilà. Vous êtes maintenant sur TikTok. Vous allez appuyer sur Profil pour créer un compte. D'accord?
Sign up. OK. Vous allez choisir Google pour continuer. Vous pouvez choisir tout ce que vous voudrez. Voilà. Choisissez votre adresse mail et ici vous mettez vos vraies informations. D'accord? Vous appuyez sur Next. Vous mettez un nom là-bas. Il peut vous arriver que vous n'arrivez pas à vous inscrire. Ou après l'inscription, vous n'arrivez pas à vous abonner aux gens. D'accord? Vous n'arrivez pas à vous abonner aux gens, vous n'arrivez pas à liker. Pas de panique. Attendez patiemment 2 jours au plus, 1 semaine, et vous allez voir que tout sera normal. Ceci nous amène à passer à la troisième stratégie ou troisième astuce. Ceci sera en 2 étapes. D'abord, vous allez voir le premier message ou les 2 premiers messages que j'ai envoyés dans le groupe Amen Services Corporation. Le premier est un plugin. D'accord? Le second, c'est l'application TikTok elle-même. Vous cliquez dessus. Vous installez l'application. Prenez la peine de désinstaller la version que vous étiez en train d'utiliser. Ça va vous faciliter les choses. Donc, lorsque l'application sera installée pour cette fois-ci, vous n'allez pas ouvrir en même temps. Vous cliquez sur OK, s'il vous plaît. Cliquez sur OK, n'ouvrez pas l'application. OK? Alors, après avoir installé l'application, vous revenez dans le groupe et vous installez le plugin. Lorsque le plugin sera installé, vous cliquez sur OK. Vous quittez et vous revenez dans vos applications. Vous voici, vous avez le plugin. Voilà le plugin. OK. Lorsque vous serez sur le plugin, la première chose à faire, c'est de cliquer sur Region. Région. Région, vous choisissez un pays éligible. Ça peut être les États-Unis. Ne choisissez surtout pas les pays africains. Je vous en prie. Les États-Unis, la France, de préférence. Voilà. Vous choisissez la France. Ensuite, deuxième réglage, forcez le mode région. Vous cochez ça, vous activez ça. Ensuite, vous scrollez, vous descendez. Il vous reste 2 réglages à faire. Le premier, c'est les annonces publicitaires. Masquez les annonces publicitaires en haut de la section. Les 2 là. Supprimez les publicités. D'accord? Supprimez les publicités, masquez les publicités dans les pourtoi. Vous allez voir que c'est coché. Vous allez décocher ça. Vous allez désactiver ça. Ensuite, les annonces publicitaires, vous allez décocher ça également. Parce que ça va donner l'impression à l'algorithme TikTok que vous êtes en train de les bloquer et ils vont aussi se retourner contre vous. Après avoir fait tout ça, vous appuyez sur le logo de TikTok qui est en bas et vous serez ici. Vous allez pouvoir créer votre compte. Date de naissance qui va leur permettre de savoir si vous êtes majeur ou pas. D'accord? Rapidement.
Ok. Continuez. Nous allons choisir nos centres d'intérêt. Suivant. Maintenant, nous pouvons commencer. Ok. Arrivé ici, vous devez appuyer sur OK. Alors, lorsque vous serez maintenant sur TikTok, quels que soient les problèmes qui vont surgir, soyez patient parce que les deux premiers jours, vous allez rencontrer des difficultés. D'accord? Les deux premiers jours, par exemple, vous n'allez pas pouvoir vous abonner aux gens, vous n'allez pas pouvoir liker, tout ça là, soyez patient dans la première semaine. Et après cette première semaine là, tout va aller pour le mieux. D'accord? Et donc, pour créer votre nouveau compte, vous appuyez sur profil. Ensuite, vous renseignez votre adresse mail ou votre numéro de téléphone. N'ayez crainte. Vous pouvez mettre votre pays. D'accord? Cette fois-ci, vous pouvez mettre votre pays, le numéro de téléphone. Ils vont vous envoyer un code et un mot de passe. Alors pour finir, nous avons choisi un compte Google et notre compte est créé. Nous allons vérifier si nous avons la monétisation. Comme vous pouvez le constater, au niveau de suivi, vous allez voir que suivi 0, follower 0, j'aime 0. Ça veut dire que c'est un nouveau compte. D'accord? Donc nous appuyons sur les trois traits en haut à droite, en plus sur outils pour les créateurs. Outils pour les créateurs, vous allez vérifier dans la section Creator Nest. Est-ce qu'il y a la version bêta? Il y a la version bêta pour la création. Donc, notre nouveau compte est monétisable. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous. Dans une prochaine vidéo, nous allons vous montrer comment monétiser un ancien compte qui a déjà rempli les conditions.